Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à tous et bonjour à toutes! Bonsoir, comment ça va? Moi, ça va plutôt pas mal. Hein. On se retrouve pour un nouvel épisode donc de TT Preview, avec un épisode un petit peu spécial parce qu'il marque le retour d'un homme à la fois suave, à la fois beau, élégant. C'est vrai qu'il dénote une certaine classe dans toute cette assemblée qu'est The Trick Play. Et je vais vous le présenter, c'est Monsieur Guillaume de France Gators. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Un plaisir de vous retrouver. Il très, est très là, il est là, je ne vous ai pas menti, il est de retour. Le crocodile is back. Il est le croco. La croco. De retour. Là, hop, Gator Chomp pour commencer l'épisode, on part de là. L'alligator de la Courneuve, il est là. Et forcément, qui dit retour de Guillaume, dit comment ne pas l'accueillir avec une équipe chère à son cœur. Aujourd'hui, on va parler, Guillaume, des Florida Gators. Fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre, hein, de toute façon. Les problèmes. Ça y est, là, on sait que la saison, elle va se lancer directement. ça fait quelques jours que je commence à me réchauffer sur Twitter, là. On est sur les bons rails. Donc déjà, dans 2 semaines, je suis sur ma vitesse de croisière, et là, vous allez retrouver le bon vieux Guillaume, plein de mesures, d'objectivité, que vous connaissez si bien. Le Guillaume qui peut te lâcher normal, Emory Jones, Iceman Trophy. Top 10 Iceman. Sur ce, du coup, on va avancer. Hein, on va avancer parce que sinon, là, on peut partir pour des heures avec Guillaume. Guillaume, dis-moi, pourquoi. Alors, je sais que tu n'as plus l'habitude, hein, mais pour les previews, on va commencer et tu vas nous parler un petit peu de cette saison 2021 des Gators. Donc, vas-y, je te laisse y aller, Guy. Raconte-nous les Gators édition, ou plutôt QV 2021. Bah, les Gators ont dit QV 2021, c'était pas incroyable, hein, à pas se mentir. Hein. Moi qui avais prévu mon magnifique 11-1, comme on a dit en intro avec Emory Jones Iceman. Claqué au sol. Ça s'est pas taffé. Il y a eu 2-3 accros, tu connais. 2-3 accros. Donc ouais, on finit la saison régulière en 6-6. On se qualifie pour un bowl game au dernier match contre Florida State. Ça, quel plaisir. Hein. En les privant en plus d'un bowl game. Un plaisir, évidemment. Et derrière, on va au ball game sans coach, un peu les mains dans les poches contre UCF où on perd 29-17. Donc, une saison très. Ça me rappelle une équipe, ça. Le ball game, clope au bec, mains dans les poches. Ouais, c'est ça, clope au bec, la bière à la main. Et vas-y, on va récupérer 3-4 cadeaux. On va prendre le soleil une dernière fois et on rentre à la maison. Tu vois. Ouais, et si on c'est peut se faire doser le cul, hein, au passage, pourquoi refuser, hein? C'est ça, c'était un peu l'idée, malheureusement. Mais sinon, on peut en revenir un peu plus sur la saison. Bah, pour le coup, ça avait quand même très bien commencé. Et j'avais pas mal d'espoir avec 2 victoires contre nos voisins floridiens, Florida Atlantique et South Florida. Derrière, on reçoit Alabama et ça se joue à une transfo à 2 points en fin de match. Donc on perd 29-31. Donc là, moi, je me dis honnêtement, vas-y. On est en 2-1, on a notre défaite, maintenant c'est en roue arrière et c'est parti. Tu vois. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Bon, on met la raclée annuelle face à Tennessee, ça, peu importe la saison, on finissait des saisons à 4-8 il n'y a pas si longtemps, on mettait quand même leur dose à Tennessee. Mais derrière ça, on perd contre Kentucky, bon, Vanderbilt, on gagne. Contre LSU, on perd dans un match assez serré, on va dire. Avec une physionomie assez chelou, où on se fait ultra dominant en première mi-temps, deuxième mi-temps avec l'entrée de Anthony Richardson, on en parlera plus tard, ça se passe beaucoup mieux. Maintenant, voilà, après, on perd contre on se fait éclater contre Georgia, on perd contre South Carolina, on prend une tollée contre South Carolina, on perd contre Missouri, donc là, vraiment, il n'y a plus rien qu'à aller. Pour ceux qui nous ont suivis l'année dernière, le match contre Stanford où j'étais présent, on gagne, certes, mais on gagne 70 à 52. On prend 52 points par Samford. Placer Samford sur une carte sans aller sur Internet, impossible.
Impossible. Donc, je vois une saison très compliquée où on finit la saison sans defensive coordinator. Dan Mullen qui se fait virer par la suite. Donc, ouais, très compliqué cette saison 2021. Ouais, Elle a pourtant bien commencé, je trouve. on a pu voir ça. Ça s'est vraiment fini en autre boudin. Donc, suite à ça, tu l'as dit, Dan Mullen, il se fait dégager. Ensuite, pour ton plus grand plaisir, votre cordeau def n'est plus là. Hein. Il est enfin parti se faire enculer ailleurs, comme on dit. C'était l'inverse. Il se fait virer juste avant le match contre Samford, d'ailleurs, qui a donné lieu à de magnifiques banderoles sur le campus devant les fraternités, avec des grands on n'a pas besoin d'un défensif coordinateur pour gagner un match. Ça, c'est gratuit. Mais ouais, et Dan Mullen qui se fait virer, je crois, après. Non. Ouais, non, mais Ouais. chronologiquement, je veux dire, c'est pas tant chronologiquement que ça parlant, mais c'est plutôt que Mullen, toi, t'étais pas forcément contre le fait qu'il revienne, c'était plutôt le cordeau def, et malheureusement, bah, Oui. Mullen, ça lui a aussi coûté sa tête. Donc, C'est ça. saison 2021 derrière, vous cherchiez qui pourrait prendre la relève, et là, bah, tu le sais, parce qu'on en a parlé un petit peu en off, vous choisissez donc Billy Napier, le head coach des Louisiana Ragin' Cajun. C'est ça. Billy Napier, que moi je trouvais un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop jeune encore, parce qu'il était aussi pendant un moment dans les petits papiers d'LSU, mais je ne le Bien voulais sûr, pas ouais. spécialement à LSU. Je pense que les Gators, c'est parfait, parce que justement, il y a cette attente, mais il y a aussi ce gros vivier de joueurs. En fait, c'est un petit peu comme LSU, mais avec peut-être un petit peu moins d'attente, parce que, bah, LSU, il y avait le titre de 2019 et tout, donc je voulais pas spécialement de Napier là-bas. Très content qu'il finisse chez vous, Guillaume, ça tu le savais. Tu vas nous parler un petit peu du coaching staff qu'il a mis en place assez rapidement, mais très sympa pour l'instant. Ouais, bah comme tu disais, ouais, moi Billy Napier, pour être très honnête avec vous, je ne connaissais pas beaucoup. Quand son nom il a commencé à tourner, je me suis même renseigné. Et en fait, si vous faites vos petites recherches, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il a fait un sacré boulot avec une équipe de modeste, on va dire, de Louisiana. Il en a fait une top team de la Sun Belt avec on a fini un record en 4 ans, je crois, de 40, 42, je crois. 40 victoires pour 12 défaites. Donc c'est très très sérieux. Et bah avec lui, il a ramené son équipe. Hein. Il a ramené son équipe. Il a ramené Patrick Tony pour le poste de defensive coordinator, qui a été le defensive coordinator de Louisiana en 2020 et 2021, qui a quand même sorti une défense top 35 du pays. Alors, on dit comme ça, top 35, ça peut peut-être paraître pas très clinquant, on va dire, mais je répète que c'est une équipe de Power 5. De Group of 5, pardon, justement, au contraire, ce n'est pas du Power 5, donc du Group of 5. Donc ça a quand même de la tête parce que ça implique les recrues plus bas, enfin plus faibles, on va dire, entre guillemets. Donc c'est quand même très sérieux. Et pour le poste d'offensive coordinateur, il a récupéré Rob Sale, qui était son offensive coordinateur à Louisiana aussi entre 2018 et 2020, qui était aussi le coach O-line, et qui a fait une année en NFL avec les New York Giants en 2021 au poste de coach O-line. Donc il s'est entouré de mecs qu'il connaissait, de mecs en qui il a confiance. À voir ce que ça va donner. J'étais aussi hypé quand Dan Mullen était arrivé parce qu'il avait aussi ramené son équipe de Mississippi State avec notamment le fameux Todd Grantham que je voulais brûler, hein, simplement. On va dire les termes. Mais donc voilà une équipe plutôt jeune, à son image de lui en fait, hein, du jeune, dynamique, très axé sur le recrutement, contrairement au dernier coaching staff. Ça a été maintes fois dit et répété. Donc ça sort des gros joueurs, ça sort des prospects NFL. Par exemple, pour prendre à l'exemple de Rob Sale, c'est lui qui sort Kevin Dodson, qui est maintenant garde aux Steelers, et Robert Hunt, je sais plus où il est parti par contre lui. Mais ça sort des beaux prospects pour une petite équipe, on va dire. Donc très intéressant. Ouais, très intéressant, et tu fais bien de le rappeler avec un gros accent mis sur le recrutement. On sait que ça a de plus en plus d'importance en college football, et pour le coup, ça c'est réel. Et si on veut un retour des Gators au premier plan, ça passera aussi par un très gros recrutement. En parlant recrutement, Guigui, c'est bien, du coup je te tends la perche. Vous avez fait quoi sur le portail des transferts là, durant cette intersaison? Il y a des trucs qui méritent d'être mentionnés ou pas? Effectivement, il y a deux, trois noms qui méritent d'être mentionnés. Je vais en sortir, j'en ai noté cinq, bon, je vais aller rapidement quand même dessus. D'abord, Billy Napier, forcément, il est parti récupérer des mecs qu'il connaissait. Hein. Donc, il a récupéré trois joueurs de Louisiana. Donc, à savoir leur running back, Montrell Johnson, qui sort une saison freshman à plus de 1 milliard. Et
un gardien tackle, donc Cameron Waits et Osiris Torrence, qui est projeté comme un des meilleurs tackles de cette année en college football, tout simplement. Donc des mecs qu'il connaît, des mecs avec qui il a bossé, des mecs avec qui Rob Sale aussi a bossé, ce qui est, vu qu'il était aussi coach line en plus de son poste de offensive coordinateur. Donc ça, c'est très intéressant. On a récupéré aussi Ricky Pearsall, le receveur d'Arizona State, ça qui va nous faire beaucoup de bien parce qu'on en parlera plus tard. L'escouade de receveurs, elle me fait un peu peur cette année. Et on a récupéré Jalen Kimber, un cornerback de Georgia, qui était top, qui était le 9e meilleur cornerback de la classe 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc des très beaux noms, des mecs qui peuvent contribuer dès cette année-là et qui vont devoir, je pense, contribuer dès cette année si on veut retrouver nos Gators en haut de l'affiche. À savoir que moi, pour avoir regardé un petit peu de match des Cajuns, je kiffe Montrez Johnson et Ouais, Osiris ouais, ouais. Torrence. Ah ouais, c'est un vrai. Il va pouvoir. Lui et les autres running backs dont j'en parlerai vite fait plus tard, ils vont se faire plaisir, je pense, derrière cette O-line. Parce que même déjà l'année dernière, on avait une O-line qui n'était pas dégueulasse, qui était vraiment en progrès, qui était jeune et qui progressait bien. Donc là, avec ces additions-là, je pense que ça peut vraiment donner un truc sympa. Plus avec l'arrivée de Rob Saleh, évidemment. Ok, du coup, bah, on avance, hein, Guigui, et du coup, je vais te demander un petit peu le. Si tu pouvais nous faire, encore une fois, très rapidement, hein, pour essayer de ne pas garder nos auditeurs trop longtemps et les faire s'endormir, parce que bon, voilà, c'est vrai que voilà, Florida Gators, faut remettre aussi les choses dans leur contexte, hein, c'est un peu claqué. Hein. Allez, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Tu vas plus pouvoir dire ça pendant très longtemps, fais-toi plaisir, Mais je connais. oui, mais oui, C'est allez, c'est bon. que de l'amour, de toute façon. De ouf. Donc ouais, si tu veux nous faire une rapide revue d'effectifs là, en sachant que bon, quarterback, sans trop s'avancer, je pense que c'est un poste là qui est assez lock. Donc vas-y Oui. Guigui, je te laisse nous le présenter. Hein. Donc au poste de quarterback, bah, ils ont voulu nous faire croire une petite QB battle, personne n'y croyait vraiment. Parce que on a eu un transfert Jack Miller d'Ohio State pour venir compléter la quarterback room avec le départ d'Emory Jones à Arizona State. Mais sans trop de surprise, ça sera évidemment Anthony Richardson, qui est pour moi l'un des joueurs les plus électriques du pays. On a pu le voir l'année passée. Le mec, c'est une machine à highlight, tout simplement. Dès qu'il est sur le terrain, tu sais qu'il va y avoir. C'est fun, en fait, à avoir joué, tout simplement. C'est fun, c'est efficace. Je trouve ça beau en plus personnellement, genre je trouve que c'est un joueur qui a de la classe sur le terrain, tu vois. Et donc ça, il y aura pas de souci. Moi, j'attends beaucoup aussi de notre room de running back avec donc du coup Montrez Johnson, Nequan Wright et Lorenzo Lingard pour ne citer que, qui je pense feront le trio qui verront le plus de reps en match. Donc il y a des trucs très sympas quand même dans cette équipe. Pour donner deux trois petits noms en défense aussi, il y a Garvin Dexter, notre nose tackle, enfin notre pas notre nose tackle, mais c'est notre defensive line, on va dire, qui bouge un peu. Brenton Cox, notre outside linebacker, notre edge rusher qui fait partie d'ailleurs qui est de la liste qui est sortie aujourd'hui du Bednarik Award, si je dis pas de bêtises, du meilleur défenseur du pays. Et au niveau de corner, il y a mon petit chouchou Jason Marshall, qui est un monstre et qu'on va entendre parler dans ces deux prochaines années. Ok, donc ça c'était un petit peu les joueurs stars de l'équipe. Pour toi, la force des Gators la saison prochaine, elle se situe où? Je pense que si tu es vraiment en poste de running back, ça tombe bien. Bien et Pierre, c'est un coach qui aime bien courir. Notre offensive coordinateur, c'est un coach O-line. Donc, je pense que nos meilleurs joueurs en attaque peuvent courir parce que je mets Anthony Richardson dedans parce que pour moi, c'est un vrai quarterback double menace. Donc, je pense que ce que je demandais en fait l'année dernière, c'est de jouer sur nos forces. Et en fait, on a trop voulu continuer à jouer comme on jouait avec l'année de Trask, où ça envoyait du ballon dans les airs à tout bout de champ. Sauf que c'était pas la force d'Emory Jones. Emory Jones, c'était un vrai double menace. Il était vraiment dangereux avec ses jambes, mais on ne les a pas du tout utilisés. Donc là, j'espère qu'on va vraiment l'utiliser avec du jeu d'options, du jeu un peu comme ça, pour maximiser le potentiel de cette équipe. Je pense que ça passera par là en priorité. Bah écoute, moi encore une fois, pour avoir vu les Raging Cajuns, il y a moyen que vous vous dirigiez un petit peu par là. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup ces dernières années et même l'année dernière. Donc à voir, en sachant que derrière ça ouvre les options de play action. Hein, Exactement, ouais. et les receveurs des Cajuns se faisaient aussi plaisir. Et sans manquer trop de respect à l'ancien quarterback des Cajuns, dont j'ai plus le nom, je suis désolé. Je pense qu'il y a quand même une classe d'écart entre lui et Anthony Richardson.
Donc, je pense que ça peut être super sympa. Il y a beaucoup de gens en fait qui savent pas trop à quoi s'attendre. Moi, le premier, Et moi, le deuxième, du mais coup. je suis vraiment impatient. Je suis vraiment impatient de voir ce qui Ouais. peut se passer avec ces Gators QV 2022. Je pense qu'ils peuvent surprendre beaucoup de personnes dès la première année. Maintenant, bien sûr, on sait qu'il n'y a aucune équipe qui est invincible, hein. Même les grosses, grosses années de Bama ou tiens, je te parle en connaissance de cause avec moi et LSU 2019. Dans toutes les équipes, même incroyables, tu as toujours des faiblesses. Ta faiblesse pour toi sur les Gators, ce serait quoi? Sur quoi faut vous attaquer la saison prochaine? Alors, je vais commencer par ma faiblesse principale au niveau de l'attaque, pour moi, qui est clairement le poste de receveur. Alors en tant que receveur moi-même, ça me titille un peu de dire ça, mais on n'a pas vraiment de mecs qui ont prouvé en SEC, tu vois. En fait, pour moi, on a plein de receveurs numéro 2 ou 3, tu vois, mais on n'a pas un vrai receveur numéro 1 dominant qui va attirer l'attention des défenses, qui peut gagner 80% de ses match-ups. Donc, c'est un peu ça qui me fait peur. J'aime beaucoup Xavier Anderson, j'aime beaucoup Justin Shorter. Ricky Purcell, on va voir ce que ça va donner en SEC. J'adore Trent Whitmore, notre petit slot, là, notre petit slot blanc. Mais voilà, ce n'est pas des mecs qui ont. On n'a pas cette star, en fait, qui pour moi est important sur le poste de receveur. On n'a pas notre Keishon Boutte, on n'a pas notre Smith Njigba, on n'a pas notre mec comme ça, tu vois. Et donc c'est pour ça que vraiment pour moi, cette année, il va falloir qu'il y en ait un qui explose. Si on veut être performant, parce qu'en fait, sinon, on va se retrouver contre des défenses qui vont mettre 8 mecs dans la boîte. Et là, ça, même avec tout le talent qu'on pourrait avoir, on va parler au conditionnel, que ce soit sur la O-line ou sur le poste de running back, bah, si tu te prends des équipes qui mettent 8 mecs dans la boîte parce qu'ils ne respectent pas du tout ton jeu de passe, bah, ça va être très compliqué. Donc voilà, je pense que ça va être un juste milieu à trouver. Et sur notre. En défense, pour moi, en fait, ma principale peur, on va dire, enfin pas peur, mais interrogation, ça va être notre poste de deuxième linebacker, parce qu'on a le retour de Ventrell Miller pour son année super senior. Il s'était blessé l'année dernière, qui était le vrai leader de l'équipe, le capitaine de l'équipe, et donc qui a joué peut-être un ou deux matchs avant de se blesser. Ça va être très bien de voir ce retour. Maintenant, c'est à côté de lui, on a perdu Mahmoud Diabaté qui est parti à Utah. Il nous reste Amari Burnley, mais qui a montré de sérieuses limites l'année dernière. Il y a un joueur où je suis ultra excité parce que je suis son recrutement depuis des années. C'est un mec qui avait commit il y a longtemps, mais qui n'avait pas pu arriver à la fac, qui était parti en JUCO et qui avait du coup eu ses. C'était un problème de notes. Qui avait du coup récupéré ses notes pour arriver enfin à la fac après 2 ans. Qui s'appelle Dewan Black, qui est un espèce d'hybride linebacker safety qui est ultra rapide, qui a montré des super choses pendant le sprint. Pendant le sprint game, c'est vraiment, même quand tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qu'on appelle un fan favorite. Tout le monde veut qu'il réussisse, tout le monde veut le voir jouer. Mais voilà, il n'a rien prouvé encore en SEC, même que ce soit simplement en FBS, parce que c'était le meilleur joueur de JUCO quand il arrive chez nous. Mais très excité de le voir jouer, mais beaucoup d'interrogations du coup aussi. Ok, donc faiblesse de l'équipe pour 2022, receveur et linebacker pour toi. Enfin, et Voilà, profondeur deuxième. au poste de linebacker, on va dire. Ouais, ok. Donc faudra pas se blesser ou être indisponible trop longtemps. Exactement. Ok. Après, tu vois, pour le coup, moi, sur ce que tu as dit au niveau des receveurs, je trouve pas que ce soit si dérangeant que ça parce qu'au final, tu as cité des mecs Jackson, Smith Njigba, Addison, Boutte. Faut savoir que ces mecs-là, tu n'en as pas dans chaque équipe non plus, tu vois. Donc, je peux comprendre que vous n'ayez pas eu l'émergence d'un numéro 1. Après, ces mecs-là que tu dis, tu en as, allez, peut-être 10, 15 à tout péter dans le pays, tu vois, sur 130 équipes. Ouais, Il y a mais quand des tu équipes. regardes, c'est ces équipes pardon, qui jouent très souvent le top 20 ou top voire top 15 Ouais, en fin de saison, mais tu vois. après, Pour moi, c'est on pas n'en est pas anodin, là. mais je comprends ce que tu veux dire. On n'en est pas encore là avec les Gators, tu vois. C'est ça aussi, il faut se mettre dans Oui. l'optique que tu es dans une saison de reconstruction, tu vois. C'est clair. Bon, après, Donc. tu me connais, je suis un peu impatient, moi, tu vois. Ah, mais Je c'est parlais normal. optimiste. À qui tu parles quand tu dis impatience, frérot? Laisse tomber. On rentre enfin dans le mois d'août, je commence à avoir le kiki qui frétille là parce que je veux que ça commence, tu vois. Ouais, ça se comprend. Ok. Bah là au moins on a fait un joli tour de l'effectif de ces Gators.
Du coup, calendrier Guigui, la saison prochaine, joli calendrier pour vous, hein, puisque vous commencez en ouverture donc le 3 septembre contre Utah. Vous recevez Utah d'ailleurs. Ensuite, ouais. Vous allez recevoir Kentucky, vous allez recevoir South Florida. Vous allez vous déplacer à Knoxville pour affronter les Volunteers, Tennessee. Donc Tennessee. Ensuite, vous recevez Eastern Washington, Missouri et nous, hein, et Bibi. Vous aurez votre bye week. Vous recevez. Non, enfin, encore une fois, voilà. Terrain c'est, neutre. Terrain voilà, neutre c'est ça, terrain cas. Neutre. C'est Georgia, donc terrain neutre. Mais bon, la gueule à du terrain neutre, c'est à Jacksonville. Hein. Paye ton terrain neutre, du coup. Oui, bah, c'est pareil avec le SEC Championship. Dès qu'il y a Georgia, paye ton terrain neutre, c'est à Atlanta. Oui, bah voilà, tu vois. Et fuck Georgia, pendant qu'on y est. Voilà. Il en fallait un, voilà, allez, tiens. L'équipe de trompette, là. Terrain neutre à la maison, Georgia. Ensuite, vous allez vous déplacer donc, dans le Texas à College Station pour y affronter donc, Texas A&M. Vous rentrez à la maison pour affronter donc, South Carolina. Vous vous déplacez à Nashville dans le Tennessee pour affronter Vanderbilt. Vous vous déplacez à Tallahassee pour affronter Florida State. Et enfin, on l'espère pour toi, le SEC Championship, si tout se passe bien, le 3 décembre. Une fois avoir vu ce calendrier qui... Comme d'habitude, c'est un calendrier de sec, donc c'est... Ah, c'est... Hunger Games. Faut être costaud, mais il y a quand même 2-3 petits matchs à récupérer, ça et là. Oui. Tu les vois où, tes Gators? En espérant... Allez, moi, je te mets pas la pression, mais bon, ouais. L'année dernière, tu nous les as vendus comme les Avengers, et ça a pété au milieu avec les Avengers version comorienne. Désolé, Cam, si tu nous écoutes. Donc, vas-y, je te laisse. Quand on revoit le calendrier, là, tu les verras à combien, tes Gators? Alors bon bah on va pas quand même abuser comme l'année dernière. Je pense en étant très honnête cette année, on va dire que ce que j'aimerais serait une belle saison. C'est un 11-1 bordel. Non, c'est bon, j'arrête. Non vraiment sans déconner, un 8-4 ça serait cool. Un 9-3 ça serait très cool, tu vois. Parce que. Paye ta reconstruction si en année 1 t'es à 9-3, ouais, tu m'étonnes, ce serait cool, ouais. Non, mais en vrai de vrai, tu vois, c'est, nous on en parle beaucoup dans le podcast et là-dessus t'es assez d'accord avec moi. Je pense que le match contre Utah, c'est pas un match si déséquilibré que ça en a l'air sur le papier. Enfin, quand je dis sur le papier, c'est que pour moi, Utah sera une équipe top 5, allez, on va dire top 10 quand même pour assurer le truc, du Preseason Poll. Et nous, on sera pas classé, évidemment, on mérite pas. Mais on a beaucoup parlé au sein du podcast, c'est on n'a aucune tape sur nous. On n'a vraiment aucune tape, ça va complètement changer. On a un nouveau quarterback, nouveau coach. Ça a bougé aussi en défense. Tu sais pas, parce que c'est pas avec les tapes du sprint game que tu vas te faire une idée. Donc je pense qu'on peut les surprendre. Maintenant, il y a clairement des matchs qui sont pour moi pas encore à notre portée, du style, malheureusement, ça me saoule de le dire, mais Georgia, ça me paraît un cran au-dessus. Texas A&M, il y a moins que ce soit un cran au-dessus. On va perdre un match entre Kentucky, Tennessee, Missouri, ça c'est quasiment écrit. Donc ouais, tu vois, 9-3 ça serait vraiment très bien. Maintenant, en laissant un peu plus raisonnable, on va dire que 8-4 ça serait déjà très cool, comme j'ai dit, en termes de reconstruction. Donc pas de à 8-4, ça m'étonnerait que tu arrives au SEC Championship, pardon. Mais ouais, déjà battre Florida State, hein. Continuer à la domination et leur montrer que c'est les petits frères, tu vois. Mais voilà, je pense que ouais entre 8-4 et 9-3. 8-4, bien, ça va. 9-3, on sort les drapeaux comme les Algériens, tu vois. C'est... Ouais, je comprends tout à fait. Moi, bah, du coup, tu vas me jeter un regard noir, mais c'est à peu près la même direction que je vois pour vous, mais peut-être... Avec un petit peu plus de mesure, moi je vous voyais à 7-5. Oui. Je vous voyais à 7-5 avec justement une. Je vous vois, je sais pas pourquoi, mais cette saison je vous vois vraiment perdre contre Tennessee. Justement parce que. Impossible. Je sais que tu dis impossible, mais justement. Impossible. Justement, Herndon Hooker, le QB le plus surcoté de la ligue. Non, je suis pas d'accord. Oh là là. Je suis pas d'accord. Enfin avec bref, notre, moi je vous vois bien paumé. Contre... On leur met 38-14. On avait une équipe, c'était des équipes de mecs des années 80 où à la mi-temps. Ça se fumait sa clope et ça allait checker dans les gradins. Je l'ai vu de mes propres yeux, Ryan. Ça allait checker dans les gradins à la mi-temps. Oui, pas de souci. Moi, je te dis justement, je sais pas pourquoi.
Je regardais le calendrier. Je ne sais pas pourquoi Tennessee, je vous vois paumé contre Tennessee. Je ne sais pas pourquoi. Alors que pourtant, tu le sais, tu viens de le dire. Moi, je voyais justement peut-être créer la surprise à Utah. Mais je ne sais pas pourquoi cette année, je ne sais pas. Je vous vois paumé contre Tennessee. Tu vois, genre, pour Mais en moi, vrai ça va de... faire. Ouais, vas-y, finis, finis. Ça fera partie des matchs que vous allez paumer cette année. Et ouais, je te dis un petit peu plus mesuré que toi. Ouais, 7-5, 7-5. Je vous Ouais, vois 7-5. paumé contre un autre petit. Tu sais, les embûches de saison de reconstruction où en fait ça se passe bien, tu vois, dans la globalité, 7-5, c'est solide, hein. Mais c'est des petites défaites par-ci par-là. Une, je sais pas, incompréhension entre Napier et un ancien de vos joueurs, tu vois, genre, je sais pas, sur ce qui est demandé, sur, tu sais, Napier qui gère un petit peu mal l'effectif sur un match parce qu'il n'est pas habitué au délire de la Floride, tu vois, à bâton rouge, enfin, à bâton rouge à. Autant pour moi, je dis de la merde. Chez les Raging Cajuns, il avait vraiment que son effectif déjà de build depuis plusieurs saisons. Il avait vraiment la main mise sur l'effectif. Il connaissait tous les jeunes qu'il a recrutés. On sait comment c'est les Gators. Il suffit d'un truc pour que ça pète sur un match ou tu vois ton playmaker qui dit qu'il allait se faire foutre ou tu sais. Je sais pas. Moi, je vous vois paumer plusieurs petits matchs sur des conneries. Tu vois des ajustements qui seront pas faits, des trucs, mais des trucs d'année 1, tu vois, de reconstruction. Ou l'année d'après, en fait, t'en parles plus. Le problème, il est Ah ouais, non, réglé, je c'est comprends, bon, ouais. tu vois. Les Ah, mais tu joueurs et vois. les coachs ont appris à se connaître. Je sais pas, je vous vois bien perdre 5 matchs cette année. Maintenant, pour tous les pointer du doigt, bah ouais, effectivement, je sais, ça te fait chier, mais ouais, il y aurait Georgia, Ah ouais, non, glitch. Tennessee, un match de petit, donc bah tiens, un Missouri ou un Vanderbilt sur de la merde, tu vois. South Carolina, je vois bien Beamer avec sa forme actuelle ou quoi, être capable de sortir un match de fou, tu sais, genre, bah tiens, Mais le j'y match crois pas à référent. South Carolina. En vrai de vrai, tu vois, j'essaie de me mettre hors supporter des Gators. En vrai, pour arriver à 5 défaites, vraiment, ça voudrait dire que pour moi, on paume contre Utah. Mais On c'est paume. Oui, possible aussi, tu non, vois. mais c'est évidemment possible. Je dis pas que Utah, on va leur mettre un 42 et qu'ils vont rentrer une main devant, une main derrière. C'est absolument pas ça que je dis. Hein. Si on gagne, ce sera un match très serré. Ça va être pour moi un des plus beaux matchs de cette week 1 qui est blindé de matchs incroyables. Mais ouais, je mettrais Utah. LSU, on peut paumer. Ça serait pas. Je pense que ça va être un match serré, donc ça va jouer pas grand-chose. Georgia et A&M. Et vraiment, moi, j'arrive pas à être hypé par South Carolina. Florida State, j'y crois toujours pas. Tennessee, c'est pareil, c'est les petits frères. Sur les 20 dernières années, je crois, ils nous prennent un match. Et Ah mais tu vois, t'es pas à tu l'abri qu'ils vois? prennent un autre match là, tu vois. C'est ça que je te dis. Ouais, mais ça c'est ce qu'ils se disent tous les ans sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on embrasse notre ami de Vols France. Mais ça, en vrai, tu vois, je nous vois plus perdre contre Kentucky que contre Tennessee. Parce que déjà, Kentucky, c'est très solide. Et surtout, pour moi, Tennessee, ils ont vraiment ce truc du petit frère où il y a un blocage avec nous. Genre vraiment, en vrai de vrai. Parce que tu regardes leur année dernière, c'est pas dégueulasse, Tennessee, tu vois. C'est quand même plutôt sympa. On leur met 38-14 avec leur équipe de touristes. Ouais, sauf que je suis désolé, mais l'an dernier, Tennessee, c'est sympa, sauf que de base, tout le monde les voyait s'écrouler complètement aussi, tu vois, faut Ah oui, pas. non, mais c'était une belle surprise, tu vois. C'était une belle surprise, tu vois. Moi, Ah, mais je leur t'ai dit, saison. je sais pas. Moi, je Moi, fais je pas dis, même partie de sur nos. ceux, je fais pas partie de ceux ou sur les réseaux ou n'importe où qui te dit que tous les ans, Tennessee vont vous taper. Je fais pas partie de ces gens-là, mais la saison Ah, c'est prochaine, je bien, sais c'est pas bien. pourquoi. Je sais pas. Moi, pour moi, si on doit perdre un match entre Kentucky et Tennessee, c'est Kentucky. Et d'ailleurs, petit truc sympa de notre calendrier cette année, on a notre bye week au bout du après le 7e match. Si tu découpes notre saison en deux avec la bye week, qui est, on va dire, la mi-temps de notre saison, la première mi-temps de notre saison, on va dire, on a 6 matchs sur 7 à domicile. Deuxième partie de la saison, on a un match sur 5 à domicile. C'est juste ça, moi ça m'a fait. Je trouvais ça pas très bien réparti, mais petit truc pour noter, tu vois. Les calendriers, on verra si d'ailleurs ça aura son importance. Après, je pense qu'une petite bye week entre LSU ou Georgia, ça peut être pas mal. On l'a quasiment tous les ans, celle-là. On l'a quasiment tous les ans, j'ai l'impression. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, hors saison Covid où tous les calendriers ont été chamboulés. Mais on a quasiment tous les ans notre bye week avant Georgia, et d'ailleurs Georgia là aussi, je pense, on a quand même un souci d'équité. Mais on se retrouve toujours avec 4 semaines de l'enfer, avec vous, une bye week, Georgia et un autre match un peu relou. Mais tu vois, par exemple, toi, tu me parlais de Tennessee qui peut être sérieux. Moi, je te dis que Kentucky peut être sérieux. Tu rajoutes à ça Utah. Pour moi, on a des stretches sur les 4 premiers matchs de la saison des plus compliqués du pays, je pense, où le niveau est le plus homogène, Ouais, le plus relevé. je
je peux l'entendre. Je peux l'entendre complètement. Donc, dans tous les cas, Guigui y voit 1-8-4. Si tout se passe bien, 9-3. Moi, je suis plus 7-5. 9-3, par contre, c'est la Courneuve, ma gueule. C'est la cité. 93 Empire. sur ce magnifique message, bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, une petite trentaine de minutes l'épisode. C'est pas mal, ouais, on a fait le tour. On va vous souhaiter bah, du coup une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez le soir. Si vous êtes en train de manger le midi, bah, mange bon bien appétit. Mon ref, mange bon bien ma reuss, et on vous fait plein de bisous et on se retrouve très vite sur The Trick Play. Ciao tout le monde. Gros bisous et go Gators. Enfin, go Gators, respire quand même. T'inquiète, hey, c'est après vu Gators, tu me laisses finir comme je veux. Go je Gators. Je m'en fous, je te la coupe, allez, je vais te la couper au go Gators, allez, ciao tout le monde.